Salut YouTube, salut Twitch, j'espère que ça va. Moi ça va bien, on se retrouve pour le troisième épisode de F1 Manager. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, on est toujours présent, Albon aussi. Voilà, donc il n'y a pas eu de commentaires entre la dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui, puisqu'on est... Non, qui est sortie hier. Donc on va demander à Bing de choisir pour nous quel pilote selon lui devrait intégrer notre notre partie. Tirage au sort, c'est Lance Stroll qui sera viré. Oh bah c'est le retour de Mick Schumacher. Voilà, Bing a choisi et Mick Schumacher devient pilote Aston Martin. Tout de suite, la roue du destin. La roue du destin, vous la connaissez. Alors, attendez. Hop, mes roues. Là, voilà. Elle n'a pas évolué, la roue du destin. Elle n'a pas évolué du tout. Alors, avant de tourner la roue du destin, on va se mettre en full cam. Et n'oublie pas, si toi, tu souhaites intégrer ton pilote à ma partie, on peut le faire. Il y a déjà eu plusieurs pilotes d'intégrer. Il y a eu Red Ref, que tu vois ici. Il y a eu Captain Pizza, que tu vois là. Toi aussi, tu peux faire partie de ma partie, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je suivrai ton commentaire. On peut ajouter aussi Michael Schumacher, c'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez, c'est votre choix, c'est votre partie. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on le prendra en compte lors de la prochaine session. Voilà. On revient sur la roue des bonus malus, la roue des bonus malus, la roue du destin. Et c'est parti pour le tirage de la roue du destin. Un petit plus 10, moins 10. Elle est timide aujourd'hui. Plus 10, moins 10. Voilà. Alors, pour qui le plus 10? Ce serait bien que ce soit pour Mick. Histoire de... Oh! On est passé à côté du plus 10. Hamilton, plus 10. Ah, c'est triste. C'est triste. Plus 10 pour Lewis Hamilton, ça va lui faire du bien. Qui aura le moins 10? Alors, on espère que ça va pas tomber chez nous. Lando Norris, moins 10. Dans mes roues, j'aimerais vous présenter une nouvelle roue que vous ne connaissez pas. Vous le savez, notre pilote a... voilà. Nos pilotes sont moyens par rapport au reste, et je me suis dit que ce serait intéressant de leur donner des défis à faire pendant la prochaine course. Et si le défi est atteint, ben, ils obtiennent un bonus lié à leur défi. Voilà. J'ai appelé ça la roue des défis. Et donc, je peux appliquer ça... Alors, c'est un défi pour mes deux pilotes. C'est-à-dire que si l'un de mes deux pilotes réussit le défi, ben, il obtient le bonus. Si les deux pilotes réussissent le défi, tous les deux obtiennent le bonus. Voilà, tout simplement. Et donc, le défi de ma vidéo du jour, ce sera de... atteindre la Q3 avec un pilote. Si j'arrive à atteindre la Q3 avec un de mes pilotes, ça veut dire que j'aurai plus 1 dans 3 catégories, dans 3 notes, pour mes deux pilotes. Voilà. Donc, si on va dans les positions au championnat, Mick Schumacher arrive chez Aston Martin avec une note de 70. Lando Norris, qui est 19e au classement, a eu un moins 10, ça le fait tomber à 62. Lewis Hamilton a eu un plus 10, ça le fait monter à 92. Et on rappelle notre objectif, c'est d'atteindre la Q3. Il faut qu'on y arrive, hein. Faut qu'on arrive au point, les gars, ça va être compliqué, mais il faut qu'on y arrive. Ouais, qu'on développe aussi ça. Ouais, ouais. On est dans notre nouvelle période d'ATH. On va développer l'aileron avant à fond. Voilà, on va se concentrer sur l'aileron avant. Ça devrait nous donner un petit boost non négligeable. Hop. Donc, on va aux objectifs de performance. Nos objectifs du jour, ça va être d'atteindre la Q3. On va le dire aussi ici. On va essayer d'atteindre la Q3. Position à l'arrivée, on va essayer d'être 15e. Série de position à l'arrivée, ok. On va participer au qualif. Ah, on a des pièces endommagées chez Waxim. Bon, c'est pas grave. Donc, on va configurer. On rappelle deux tours. Le premier pour faire chauffer les pneus, le deuxième pour faire le meilleur temps. L'idée, notre objectif, là, c'est d'atteindre les Q3. Donc là, on va essayer d'atteindre les Q3. Alors là, on a Waxim, Albon. Albon top 4 à 6 dixièmes de Sainz. Waxim qui suit derrière. Alors, pour l'instant, on est 8e et 10e, c'est pas mal. Apparemment, Mick Schumacher n'a pas son nom qui apparaît, mais ça, c'est Mick Schumacher. Faudrait que je regarde un peu comment c'est configuré dans le jeu.
On va faire une dernière session. Telle quelle, là, pour l'instant, on se serait qualifié pour la Q3. Telle quelle. Toujours non pour BeamNG. Ok, donc là, on est 11e et 14e sur la Q1. Oh, notre temps, il est pas bon, là, les gars. Hein. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On n'oublie pas, si on se qualifie pour la Q3, il y a le bonus qui tombe. Plus 1 dans 3 notes. Ok, on va essayer de se qualifier pour la Q3. Mais ça va être compliqué, il reste Captain Pizza et Verstappen qui n'ont pas fait leur tour. On est vraiment aux limites, limites. Donc, c'est Charles Leclerc aussi qui est derrière, là, qui va sûrement faire un meilleur temps. Espérant. Donc Charles Leclerc vient de sortir, on va essayer de gêner tout le monde là. Ok. Ok, donc pendant le tour de Leclerc, on a Waxim qui est là. Albon. Oh non, le bonus qui tombe pas. 11e et 13e au qualif. 11e et 13e au qualif. Mick Schumacher qui arrive à prendre la 10e place à l'arracher. Alors, il va pleuvoir pour cette course. Donc, s'il pleut, il faudrait limiter notre passage au stand. Soit le limiter. On va regarder un peu les pneus, déjà. Les gommes, qu'est-ce qu'on a? On a 3 gommes tendres, on a une gomme médium et une gomme hard. Et pareil ici. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que si jamais on veut faire un double tendre, ici, un double tenders, on va pouvoir faire un double tenders avec Albon et après passer sur quelque chose peut-être d'intermédiaire. Voilà pour la strat. Ok, ce sera ça notre strat, hein. Je pense que voilà, on sera pas mal comme ça. Chez Waxim, on va faire la même chose. Donc double soft et ensuite inter. Alors, pour le carburant, on enlève un de chaque côté. Voilà. Voilà. Et on va rajouter ici. On va se mettre en allure rapide et avec le DRS. Et on va commencer la course. Allez, c'est parti. On va se mettre direct en vue sur Albon. On se met direct en vue sur Albon. Là on est 11e avec les deux Aston devant. Voilà. Donc notre objectif du jour. Les deux Aston qui se sont plantés. On va récupérer notre RS. Donc ça c'est pas mal pour nous. Alors voyons voir qu'est-ce qui s'est passé entre Alonso et Mick Schumacher. Ouais, les deux se sont gênés quoi. Premier virage pour Mick Schumacher, déjà un problème. C'est incroyable ce qui vient de se produire là. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. D'ailleurs Mick Schumacher qui abandonne carrément. Ah ouais, c'est un peu triste quoi, c'est un peu triste. Waouh. Incroyable. Allez, on va accélérer un petit peu histoire de voir. On attend la pluie. On va se remettre en standard chez Albon. Oh, accident de plusieurs voitures. Ça s'est sûrement passé derrière. Magnussen, du coup. Oh, c'est un petit accident, mais ça va l'obliger à passer au stand. Hein. Ok, donc Albon toujours 9e. C'est bien. C'est bien, Waxim 13e par contre qui a perdu sa place. Ce serait pas mal que Waxim la récupère, mais bon, après j'espère pas grand chose non plus. Waxim il est là pour faire de la figuration pour l'instant. C'est Albon, mon gars sûr. Ok, donc Albon toujours il tient sa 9e place. Hein. Peut-être Hülkenberg va lui récupérer. On va voir. Hülkenberg, il semble pousser sur ses pneus. Waxim se bat avec De Vries. Waxim récupère la 12e place, c'est bien. Donc le temps humide va arriver. Le temps humide va arriver, et peut-être plus tôt que prévu apparemment.
Donc on va continuer avec ces pneus là pour l'instant. Et Hülkenberg a peut-être fait une ultime erreur. On va attendre. On va attendre que la pluie arrive. Voilà, on a laissé Hülkenberg passer. On le repasse. On va attendre que la pluie arrive. La pluie va arriver normalement. La pluie commence. Ok, la pluie commence. Ok, on a dépassé les 60%. On va demander à Waxim de rentrer pour qu'il mette les inters. Et Albon aussi, on va lui demander. Et Albon, il va rentrer au prochain tour puisqu'il a déjà dépassé les stands, lui. Albon est là. Waxim est là. Ah, Waxim aussi. Mince. On a été trop vite. C'est bon, ils se sont pas gênés. Albon repart 9ème du coup. Albon repart 9ème. Tout le monde a mis des inters, c'est bien. C'est bien. Waxim 13ème. Alors, voiture de sécurité virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Charles Leclerc qui a eu un problème. On va économiser nos pneus. Doucement mais sûrement. Et on va voir ce qui s'est passé. Accident de Leclerc. Alors Leclerc était devant nous. Ouais, Leclerc était devant nous. On lui a foutu un peu la pression. On y est pour rien. Ah ouais, il s'est envoyé valser tout seul. Hein, comme un grand. D'ailleurs, sa voiture est morte. Ça fait gagner une place à Waxim. Qu'est-ce que ça donne sur les intervalles? Ah, c'est Waxim. Waxim s'est planté. Alors, Waxim. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parce que je lui ai dit d'accélérer, ça. Ouais. C'est fini pour Waxim, malheureusement. On n'aura que Albon qui sera là. Tant pis, que Albon. Waxim qui s'est planté. On a eu un gros accident. C'est un peu dommage. Ah purée. Bon Albon, maintenant faut tenir cette 9ème place et marquer nos premiers points de la saison. C'est vrai que c'est un De Vries 93 hein, qu'on a derrière, on a tendance à l'oublier. Peut-être pour ça aussi que on est sous l'eau un petit peu, mais c'est pas grave. On va rattraper son coéquipier Mr Pepper devant. La piste devient sèche. Non, elle se réhumidifie très vite. Il reste 3 tours. Dernier tour pour les premiers points chez Williams. C'est gagné les gars. 9 points pour Williams. C'est vraiment stylé. Donc on a Adam Penske qui remporte sa deuxième course hein, de mémoire. Carlos Sainz 2ème, Max Verstappen 3ème, Redref 4ème, Binga Jones 5ème, Captain Pizza, bravo 6ème. Lewis Hamilton 7, Bingley 8, nous sommes 9ème avec notre Williams, hein, chapeau bas. Nick De Vries 10ème, Hülkenberg 11, Gasly 12, Alonso 13, Guanyuzu 14, Valtteri Bottas 15, Kevin Magnussen 16 et Mr Pepper 17. Derrière on a Senior Waxim qui s'est planté mais tout seul, donc ça c'est pas très grave. Classement pilote, Alexander Albon prend la 12ème place. On a déjà 28 pilotes dans notre classement pilote, c'est déjà incroyable. Classement pilote, Adam Benz, hein, premier, qui est devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Redref qui prend la 4ème place avec sa nouvelle perf, qui était pas dégueu. Voilà. Au classement constructeur, Red Bull est logiquement premier. Et nous, on s'insère à la 7ème place. On va essayer de choper d'ailleurs la place d'AlphaTauri ici, là, la 6ème place, ce serait pas mal. Plus haut ce serait compliqué, mais ce serait pas mal de se placer ici. Voilà. Du coup YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas, si tu veux que ton pilote apparaisse dans cette partie, mets-le en commentaire. S'il n'apparaît pas à la prochaine course, c'est normal, parce que là on va la faire maintenant, la prochaine course sur Twitch. Mais il apparaîtra sûrement lors d'un épisode. T'inquiète pas, ton commentaire sera pris en compte. Écris, je sais pas, je souhaite que Michael Schumacher intègre Ferrari. Je souhaite qu'Ayrton Senna intègre McLaren. Ou alors, écris tout simplement, je souhaite que Nikita Mazepin intègre... Ah, tu peux écrire ça, si tu veux. T'inquiète pas. Ce sera pris en compte. Voilà. On se remet en full cam. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée si t'es
comme nous en fin de journée. Sinon, passe une bonne fin de ce que tu veux. Et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao !